Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Centre-Val de Loire. À l'occasion de l'opération Cœur Outre-mer qui met à l'honneur les territoires ultramarins sur France Télévisions, on se replonge ce soir dans les liens historiques qui unissent notre région avec les Antilles, des liens marqués par le passé colonial du Royaume de France et l'exploitation de la canne à sucre par des esclaves déportés d'Afrique. De ce commerce triangulaire est née une activité nouvelle au XVIIe siècle, le raffinage du sucre, proche de Nantes et de Paris. Orléans était alors la capitale française de ce raffinage. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ce passé sucrier ? On en parle tout de suite avec nos invités.